Bienvenue dans cette vidéo, nous partons pour le tour du Beaufortin. Donc ce matin on est parti d'Annecy, on est arrivé au petit village de Kège. On est parti de ce village vers midi et quart. On a attaqué la montée, ça monte très très fort dans la forêt. On a fait un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, quasiment 10 km. On s'est arrêté à un petit lac, ça s'appelle le lac des Saisies, juste derrière. Alors en fait c'est juste une tourbière, il n'y a plus d'eau. Et on a continué un petit peu pour arriver à un coin de paradis, un petit refuge ici avec quelque chose de luxueux ici, de l'eau. Car oui, de l'eau en montagne sur les sentiers de randonnée, c'est parfois un petit peu dur à trouver, surtout en cette période un petit peu sèche. Nous sommes le samedi 23 juillet, il fait très très chaud. On a souffert de la chaleur dans la montée et heureusement, on était quand même beaucoup dans la forêt. Donc là, on a trouvé un petit coin de paradis, une belle cabane, un point d'eau, une table. Alors on va se poser ici pour la nuit, pour notre première demi-journée. Je pense qu'on va dormir dans la cabane et puis on va continuer demain notre périple. Alors comme on a pris tout le matériel pour bivouaquer, eh bien on n'est pas tenu par les refuges, par les étapes prévues par le topo guide. Voilà, donc on se posera là où on a envie. On ne sait pas en combien de temps on fera le tour, peut-être 6, 7, 8 jours, voilà, on verra. En tout cas, ça s'annonce très très bien et on est super content d'être là. Alors l'été dernier, nous partions pour le GR30. Alors quand je dis nous, c'est un couple d'adultes et puis un ado, 15 ans, il nous suit, il est très content de marcher. Et voilà, c'est une super aventure, c'est chouette de partager tous ces moments-là, de sortir du quotidien en fait et de vivre dans la nature. Bon, évidemment, ce soir, on a un petit peu de confort dans cette cabane ouverte, mais voilà, on va quand même bivouaquer d'autres fois, et donc on va sortir de notre confort quotidien, et ça, c'est vraiment une super aventure à partager. Allez, on va passer au repas, et puis on se retrouve demain pour la suite du parcours. Chicken tikka masala. Et bah écoutez, ça fait vraiment du bien, après avoir marché aujourd'hui, dans ce décor de rêve, c'est vraiment très très bon. C'est épicé, c'est cuit à la perfection et j'ai hâte de goûter tous les autres parce que Lyophilisé & Co m'en a envoyé un carton. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avec le code TANIER10, vous pouvez avoir 10% sur tous les lyophilisés. En tout cas, bref, ça fait vraiment du bien de manger un super bon plat chaud. Deuxième journée, on a des paysages magnifiques avec le Mont Blanc en toile de fond. Alors on a aussi la chaleur qui est là, très très présente. On est parti à 6h40 ce matin de notre petit refuge gardé, où on a passé, où on a passé une super nuit. Ça, c'était vraiment un petit coin de paradis. Mais là, on souffre vraiment de la chaleur. On est à 2000 mètres d'altitude. On vient de passer un refuge à la Croix de Pierre. La source, elle est tarie, il n'y a plus d'eau. Ils ont dit qu'il n'y avait plus d'eau du tout sur le parcours, qu'il y a des refuges qui avaient fermé par manque d'eau. On a appelé le prochain, refuge de Roselette, qui est à 2h30 d'ici. Ils nous ont dit que leur source coulait encore un petit peu, qu'ils pouvaient remplir une gourde par personne. Voilà, c'est déjà gentil. Bon, après, ils en vendent aussi de l'eau en bouteille. Mais la gestion de l'eau, bien galère un peu partout. Et les refuges nous disaient que c'était bien galère pour eux aussi. Donc, ouais, c'est des conditions... conditions un peu particulières avec, avec cette chaleur. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avancer un maximum sur le parcours. Ce matin, on a pris le petit déjeuner aux Saisies. Ça fait du bien, pain au chocolat, chocolat chaud. On a acheté un petit sandwich pour le midi aussi.
qu'on vient de manger. Puis on cherchait à remplir les gourdes et j'ai demandé à un policier municipal parce qu'il y avait un petit événement là, la fête du bois. Et il nous disait que les sources étaient fermées. C'était en restriction d'eau. On a réussi à faire remplir un petit peu en demandant à la boulangerie là où on a acheté notre petit déjeuner. Ils ont bien voulu nous remplir nos gourdes. Merci. Mais ouais, la gestion de l'eau, pas évidente. Easy now. Regardez cette vue. Du coup, on s'est arrêté au refuge de la Roselette. On a fait un petit peu plus de 23 km, 1000 mètres de dénivelé, un petit peu de descente. Je vous note tout ça quelque part ou dans la description. Alors voilà, on a décidé, c'est les vacances aussi. Hein. Donc grand luxe, on se pose ici. On a pris une petite boisson tout à l'heure. On a installé les tentes. Vous reconnaissez la Sierra Designs Meteor Light 2 là-bas. Et puis une 3F UL Gear, c'était la Floating Cloud, une place. Voilà, on a choisi aussi le grand luxe avec des tentes avec arceaux pour s'installer facilement et avoir un grand volume pour profiter, pour être vraiment bien. En tout cas, le soleil tape toujours très fort, il est 18h et je peux vous dire, on sent la chaleur. Donc l'eau, difficile à trouver entre le refuge tout à l'heure et puis ici, on a trouvé deux petits endroits où ça coulait. Donc grâce au filtre, on a pu profiter d'une eau bien fraîche. Et ça faisait vraiment du bien. On verra ce que ça donne sur les prochains jours. Donc demain, direction le col du Bonhomme. Et puis ça, c'est un itinéraire commun avec le GR5 et le tour du Mont Blanc. Et puis on va basculer de l'autre côté pour continuer notre tour du Beaufortin. Allez, je vous laisse sur ces quelques images. Le Mont Blanc quand même en toile de fond pour dormir, ça va être chouette. Et puis regardez la tente Meteor Light 2. On peut remonter une partie pour profiter du paysage. Et là, je pense qu'on va être vraiment bien. Allez, on se retrouve pour le jour 3 demain. C'est la montée au col du Bonhomme. On traverse un névé, c'est bien, ça fait un petit peu de fraîcheur. Alors la nuit s'est super bien passée. J'ai remis la toile de la tente pour la nuit, mais j'ai rouvert ce matin pour la vue. Regardez comme c'était beau. Le point super positif, c'est qu'il y a eu zéro condensation dans les tentes. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on a pu plier très vite. Partir à 7h du mat pour échapper à la chaleur, enfin échapper pas trop longtemps. Mais en tout cas, les paysages sont magnifiques.
il y avait bien du monde au col du Bonhomme. Et oui, parce qu'à cet endroit-là, en fait, il y a plusieurs itinéraires qui passent. Il y a le tour du Mont Blanc, il y a le GR5, le tour du Beaufortin. Donc énormément de monde. Ensuite, on a continué, on est arrivé au refuge de la Croix du Bonhomme. Beaucoup de monde également ici. Alors, c'est très bien parce qu'il y avait une petite source. Alors, une source non contrôlée, mais comme on a les filtres parfaits pour faire le plein d'eau. D'ailleurs, en parlant de l'eau, sur notre trajet jusqu'ici, en partant donc du refuge ce matin de la Roselette, eh bien, il y a quand même quelques cours d'eau qui sont là. Parfois, ça coule pas fort, mais largement assez pour remplir ces gourdes avec les filtres. Alors là, on attaque la descente, toujours sur le tour du Beaufortin. Là, c'est commun avec le tour du Mont Blanc encore, puis le GR5 qui partait vers la crête des Gîtes. Donc voilà, on descend, le temps change, vous le voyez derrière moi. D'ailleurs, je me mets dans ce sens pour le vent, parce qu'il y a pas mal de vent, donc pour que ça ne s'entende pas dans le micro. On perd beaucoup d'altitude comme ça, on essaye d'aller trouver un endroit de bivouac pour ce soir. Là, on en est à presque 13 km, on a fait 934 mètres de D+, et 666 mètres de D-, mais il y en a encore pas mal parce que on va bien descendre là.
vous préférez vous faire réveiller par la sonnerie de votre montre ou de votre téléphone, ou bien par les doux rayons chauds du soleil le matin quand vous êtes à l'intérieur de votre tente? Eh bien nous, ce matin, on a choisi la deuxième option. On a trouvé un bel endroit de bivouac qui nous a été indiqué par le gardien du refuge de la Coire. Un petit peu à l'écart et avec une belle vue, on était tranquille. On a bien profité ce matin, gros petit déjeuner avec du porridge. Alors ça cale, mais vraiment bien. C'était très bon, la consistance parfaite. De quoi se mettre dans les meilleures conditions pour entamer notre cinquième journée. Peut-être l'avant-dernière, peut-être que demain on va terminer ce tour, on verra selon notre avancée. Donc justement, en parlant de notre avancée, aujourd'hui, on est passé par le lac Saint-Guérin avec cette jolie passerelle. On a continué une montée dans la forêt, mais c'est très agréable dans la forêt. Et en plus, le temps est avec nous puisque les grosses chaleurs sont passées. On a un temps qui est parfois un petit peu nuageux, donc c'est bien plus agréable pour marcher, surtout dans les montées. Alors là, on fait une pause, regardez ici la vue qu'on a sur le Beaufortin. Voilà, donc on va rester un petit moment et puis on va continuer notre trajet pour avancer un petit peu pour la journée. Thank you.
Nous voici de retour à Kège après 6 jours de marche dans ce magnifique massif. C'était vraiment très beau. Cette dernière journée, on a traversé des paysages absolument fantastiques. Alors après, on a eu une très très longue descente jusqu'à Kège, mais nous voici de retour au parking où nous nous sommes garés il y a 6 jours. Et donc voilà, on va aller acheter un petit peu de Beaufort à Beaufort qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et puis on va rentrer à Annecy et se reposer un petit peu. En tout cas, c'était une aventure fantastique. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, la rubrique juste en dessous est à vous comme d'habitude. J'espère que ça pourra vous donner des idées de randonnée avec des adolescents. Pourquoi pas, vous pouvez leur montrer cette vidéo, voilà. Et peut-être l'envie de faire le tour du Beaufortin. En tout cas, c'était vraiment une expérience magique. On a eu beaucoup de chance d'avoir le temps avec nous. Alors, il fait très très chaud au début. Ça allait un petit peu mieux à la fin. On a juste eu de la pluie un petit peu le soir en plantant la tente. Et voilà, des conditions de rêve. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les prochaines.